Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Robocraft. Nous allons tenter une petite construction sympathique, chers amis. On va voir si j'arrive à faire quelque chose d'intéressant. Donc ça, c'est pas les bambous temps. Ça, c'est pas le banc. Voilà, ça c'est bon. Ok, cool. Cool. Normalement, ça devrait être bon comme ça. Je vais prendre ça. Oh, pourquoi tu veux pas? Pourquoi tu veux pas? J'aimerais que tu le soulèves en fait. Merci. Oui, parce que tu veux en mettre deux, c'est ça? Ah, donc je peux en placer une sur trois. Excusez-moi, autant pour moi. Donc du coup, je peux redécaler le truc ici. Hop. Crac. Voilà, de toute façon, on verra le moment venu si cette forme-là est la plus adaptée. Je pense honnêtement que celle-ci sera mieux. Crac. Et vous comprendrez pourquoi. Crac. Donc, j'aimerais, au niveau de ceci, faire progresser ce truc-là. J'ai une petite idée quand même, malgré tout, de ce que je veux faire, hein, chers amis, ne vous inquiétez pas. Normalement, je ne peux pas. Non, voilà, comme ça. Crac, c'est bon. Ok. Ok, c'est bon. Là, on est bon, ce cube. Voilà. Crac, alors question, est-ce que je peux mettre, par exemple, ce cube-là? J'en ai plus. Oh bah, dis donc. Hop. Inventaire. Oui, je peux. Ok, cool. Donc, c'était ça qui m'intéressait. Hop. Et ici, alors, est-ce que je dois continuer du coup avec une forme de ce genre-là, ou est-ce que je peux continuer avec une forme de ce genre-là? Limite, ça ce sera peut-être un peu plus mieux. Ça laissera peut-être passer des balles ici. Je sais pas si c'est efficace ça, comme principe. Ok, bon. L'objectif est plus ou moins atteint visuellement. Ok. Donc on a une forme assez épaisse. Ok. Crac. Et normalement, je peux même faire un cube ici. Crac. Ce qui veut dire qu'en bas, je peux placer le même cube que là. Hop. Ok, ça devrait être bon. Donc. Au niveau de cette forme-là, la première forme que je voulais faire, c'était ça, c'est bon. Ensuite, je voudrais mettre, chose qu'on a pu voir assez souvent en ce moment, donc... Alors, je sais pas comment elle se place véritablement. Et comme je le suis bizarrement installé. Ou alors je les cale à l'arrière. Donc, ici. Je peux pas les caler comme ça. Ici non plus. Alors je voudrais en fait envoyer mes problèmes ailleurs, si je puis dire. Hop. Donc. Pourquoi pas tout simplement un truc comme ça, parce que c'est trop gros. Ok. Crac. Ça me semble pas bête ça. Ok. Donc la suite. Je voulais. Mais alors du coup oui, avec cette forme là ça va être plus compliqué. Donc
J'aimerais réussir à caler ce truc là quand même. Je pense que je le calerai à l'arrière avec le reste. Crac. Et donc par principe je vais mettre là, je vais rejoindre ici, crac, voilà. Comme ça c'est bon. Donc. Ok. Je peux faire ça comme ça, ça peut solidifier peut-être un petit peu la chose. Tout en laissant de la place au milieu. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, ça peut être intéressant. Parce que regardez, je peux faire une continuité ici. Crac. Hop. Et faire la même chose de l'autre côté en fait finalement. D'ailleurs, chose que je n'ai qu'à moitié faite vu que je n'ai pas continué de ce sens là. Crac. Ok. Et voilà, là c'est bon. Hop. Ok. Ici je peux reprendre un petit peu ce que j'avais prévu de faire, c'est-à-dire un truc dans ce genre-là. Crac. Ça donne une forme générale, attention, hein, c'est pas fini hein, pour le moment. Je préfère le dire tout de suite. Hop. Puisqu'ici, justement... Alors je sais pas si je peux placer ces trucs là. Cela dit, peut-être que je peux faire ça comme ça, regardez. Est-ce que ça se place comme ça ou pas? J'essaie de trouver un moyen de... Vraiment de faire un robot qui soit minuscule visuellement. Oh bah dis donc, j'ai pas de... J'en ai pas du tout. Peut-être pas... Une dizaine c'est déjà pas mal. C'est l'habitude ça, chers amis, vous inquiétez pas. Ça c'est presque un poil dommage. Bon alors attendez, je peux tenter quand même. L'un n'empêche pas l'autre. Hop. Ou alors, de toute façon, je peux le faire le même dans le sol de chaque côté. Tout bêtement. Plutôt vers le haut ou vers le bas? Techniquement, j'ai plus de chances d'être attaqué dans ce sens-là. Donc, plutôt vers le bas. Finalement. Ça me protégera toujours du haut, si je puis dire. Hop. Du coup, ici. Pour un truc central, toujours. Réflexionnons. Ok, maintenant que ça c'est fait. Question. Est-ce que ça c'est pas une bonne idée? Parce que du coup, ça rentre pas du tout en contact avec ça. Alors, attendez. Ici, je suis censé mettre ce cube-là. Hop. Et ici, celui-ci. Crac, crac. Crac. On est d'accord. Ce qui veut dire que je peux faire toujours ça. Et ici, pourquoi pas ceci. Je vais faire ça comme ça pour le moment, c'est histoire de le placer comme il faut.
Ok. Why not? Why not? On va bien voir si c'est efficace ensuite, hein. Je dis pas que ça l'est, hein. Attention. Je ne dis pas que c'est efficace. Crac. Surtout qu'en plus, là, il y a un autre problème qui se crée. Le problème étant que je ne peux plus... Enfin, pour relier, ça va être compliqué. Pour relier l'avant et l'arrière, ça va être compliqué. Ça va passer forcément par ici. Et donc, par ce principe-là. Hop. Merde. Ok, donc on y retourne. Ça, ça veut pas. Je prends. Ah. Tu vois quand tu veux. Oh, et hey, tu as bien voulu tout de suite. Voilà. Si j'insiste. Voilà. Crac. Pourquoi pas après tout. Hop. Ok. Donc en insistant, ça passe. Le mec pas chiant. Crac, crac. Ouais. Du coup, ce sera ici plutôt. Je suis con. Voilà, c'est là que. Ce qu'il faudrait, du coup, c'est plutôt un cube de ce genre-là. Est-ce qu'il va vouloir le mettre? Oui. Ici, par contre, j'aimerais bien plutôt le mettre dans l'autre sens, quoi, du coup. Comme j'ai fait un peu plus haut, finalement. Voilà. Pas dans ce sens-là. Ok. Alors maintenant, grande question, est-ce que le robot fonctionne? Je peux remettre aussi des cubes comme ça ici, ce serait pas mal. Enfin, un cube comme ça. Ok. Je récupère ça. Parce qu'il faut qu'il puisse voler, quoi, sur le principe de la base. Du principe de la base. Voilà. Test. Est-ce que tu voles, déjà? Parlons-en. Il vole. Un peu dans tous les sens, mais il vole. Ouais. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc, maintenant que ça c'est fait. Maintenant que ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, si je puis dire? Hop. Alors, voyons voir. Crac. Je crois que c'est plus gros que ça, hein. Je crois que c'est un poil plus gros. Ouais, voilà. C'est un poil dommage, d'ailleurs. Le MP. Ce qui serait presque cool, ce serait d'avoir les deux. Est-ce qu'il y a moyen que je lis les deux sur le même nom? Attendez, parce qu'il faut que j'essaie de voir un truc.
qu'il y avait plus de... Ah merde, je pensais qu'il y avait plus de... D'accord, ok, bon. Je suis un poil déçu. Mmh. Ça serait peut-être plus intéressant. J'essaie de faire un robot d'équipe, si je puis dire. Il y a un robot qui puisse aider l'équipe, quoi qu'il arrive. Et croyez-moi, c'est bien plus compliqué que prévu. Donc, ça, c'est bon. Et donc, là, en termes d'armement... Alors, c'est du test, hein, vous inquiétez pas. Ah la vache, faudrait que je le descende d'un cran. Ça, clairement, ça m'arrange pas. Mais genre pas du tout. Bon, maintenant, je pense que vous avez compris ce que je veux faire. C'est assez simple. Peut-être qu'il fonctionnerait comme ça. Je dis qu'il fonctionnerait pas, mais peut-être qu'il fonctionnerait. Faudrait que je teste. Plutôt ce cube-là. Ne serait-ce qu'à l'avant. ici, ça. Vu que c'est en dessous, c'est ça en fait qui me fait croire que ça risque pas de marcher. Mais finalement, peut-être faire quelque chose. Peut-être faire quelque chose pour que ça marche. Ici, on avait donc dit que c'était ces cubes là. Ok. Ça referme pas comme je voulais. C'est par en dessous? Ou ce sera celui-là peut-être plutôt? Oui, c'est ça. Hop. Crac. Voyons voir. Bon. C'est pas trop trop mal, finalement. Hop. C'est pas la bonne couleur. Et oui, c'est les carbones, chers amis. Je suis obligé de les mettre en noir et orange. Hop. Ok. Est-ce que je peux pas placer d'autres petites choses, genre des plaques de protection, des trucs dans le genre? Réflexionnons. Ça, par exemple, je pourrais pas en caler une sur le côté, là? Ah, c'est pas la bonne chose que j'ai réussi à prendre. Crac, voilà, par exemple, ça, je peux pas en caler une, genre juste là. Et bah, c'est pas mal ça. Et c'est parce qu'il y a le pied. Par contre, je peux peut-être caler une légèrement en biais. Ouais, c'est un peu trop en biais même, je dirais. Ah, c'est dommage, ça aurait été presque parfait. Par contre, ici, je vais pouvoir la caler sur la deuxième. Ah ah! Ah ah! Ça, c'est une rampe. C'est pas la bonne, ce sera juste celle-là la bonne. Ah! Ah, quelle horreur! Il me manque pratiquement rien. Question. Ah, toujours pas, hein. Toujours pas parce que c'est ici que je l'ai mise, en fait.
Qu'est-ce qui va pas? Tu veux bien me caler ça? Ici, s'il te plaît. Voilà, merci. Encore que. Encore que, est-ce que je pourrais pas secouer un peu plus, lanceur un peu plus? Je pense pas que je puisse. Hein. Je ne pense pas que je puisse serrer un peu plus. Du coup, cube comme ça. Viens à ta place. Merde, comment je vais réussir à le caler celui-là? Ah! Bon là, merci. Crac, crac. Ce qui fait une protection supplémentaire malgré tout, hein, c'est pas anodin. Alors, question, est-ce que je peux placer celle-là là et l'autre dans le... Non, je pourrais pas. Hop, voilà. Voilà. Voilà, c'est bien comme ça. Est-ce que je peux remettre de l'orange peut-être à l'arrière au niveau des... Crac, crac. Ok, tentative de vol. Tentative de vol, on est à 22 minutes, c'est pas trop long pour une construction, ça dit. Wouhou! Il en chie un peu, hein, quand même. Question. Question, question, est-ce qu'il en chie autant avec... C'était forcé qu'il en chie comme ça, chers amis, hein. C'était forcé, hein, je tiens à le préciser quand même, mais j'espérais quand même qu'il tienne le coup. Peut-être que je vais rajouter deux anciens. Deux des petits en fait. Juste pour voir ce que ça vaudrait. Si... Rohan, bah écoute, oui, je t'invite si tu veux, hein, y a pas de soucis. Rohan. Hop, voilà. Crac. Viens voir si tu tiens le coup, l'ami. C'est pas le bon cube, ça que je cherche. Qu'est-ce que tu fais là, cube comme ça? Ouh! Ouh, j'ai fait de la merde. Pourquoi y a pas un contrôle Z? Ok, bon. C'est pas grave. Problème... Ah, mais non, c'est pas le bon cube. Voilà, là, c'est le bon cube. Non, c'est pas le bon cube. Bon, cube. Désolé, hein, j'essaye. C'est pas faute d'essayer, comme on dit. Hein. Ok. Limite, je pourrais peut-être même placer un gros ici. Hein. Non, non, je pourrais pas. Je crois pas que je puisse. Même en allongeant un peu. Juste pour voir, hein, c'est vraiment juste pour... Non, il veut pas. Et un moyen... peut-être qu'il y en a d'autres que je pourrais placer, par contre. Voilà, c'est peut-être ça qu'on pourra peut-être faire. Forge. On va prendre chacun des niveaux en double. Crac, et on essaiera de placer le plus haut, le plus important, celui qui aura potentiellement le plus de capacité à le faire. Celui-là, par exemple, ce n'est pas le cas. Celui-là, par exemple, passerait. Ok. Ah, je veux bien tenter, moi. Je tente. Ok, donc ça sert strictement à rien d'aller plus loin.
Donc, selon moi, je peux faire ça. Crac. À l'intérieur, est-ce que je peux caler d'autres petits cubes? En tout cas, j'espère que ça va être efficace de rajouter ne serait-ce que ça. Ça fait un petit peu fleur bleue d'y penser comme ça, mais bon. Ok. Là, en tout cas, ça servira pas à grand chose. Là, je peux caler ça. Et c'est bon. Ok. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Ça, je ne crois pas. Sauf si je me fais attaquer par l'arrière. Encore que, ce serait peut-être viable. Bref, tentative. On va voir s'il vole mieux comme ça. Ce serait déjà pas mal. Ah, il a l'air un poil plus stable. Hein. Oh! Oh cool, 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 cool. Je prends. Je suis preneur. Ok, bon, bon, on est à 26 minutes, on va se faire un petit test. En réel. On va se le mettre en caméra contrôle, on va mettre l'autre en caméra contrôle au passage. J'ai oublié. Retour au menu principal. Crac. Marcus. Caméra contrôle. Le pire, voilà, c'est qu'il est déjà sélectionné, regardez, regardez, regardez. Hop. Oh, clavier contrôle la souris, pourtant quand je fais ça, oh, caméra contrôle la direction. Enfin, contrôle, bon, bref, je me suis compris. Crac, on tente. On verra bien s'il est efficace ou pas. Ellipse. Re, chers amis, donc on est dedans. On va pouvoir tester le robot, on va voir s'il est efficace ou pas. En tout cas, je suis curieux de le voir. Ok. Jusque là, tout se passe bien. J'ai pratiquement pas de tir. Hein. J'ai 3 tirs. Ok. Et recharge, Marcus. Wow. Eh ben elle est efficace. Par contre là il part un peu en sucette. Il faut bien le reconnaître. Aïe. Bon c'est pas grave. Il a l'air efficace. Peut-être pas autant que prévu. Peut-être que j'y placerai que des petites... enfin que des carbones, 4 carbones peut-être. Mais il a pas l'air si mal, il a pas beaucoup de tirs, c'est vraiment ça le problème. Peut-être qu'à la place du bouclier, je mettrai une recharge. Nearest? Et qu'est-ce que tu veux foutre l'équipe? Allez! Merde, ils sont nombreux. Mais oui, je sais bien, je suis tout seul. Aïe, bon, c'est pas grave. Je le sens pas mal, hein. C'est juste qu'il a peut-être pas assez de puissance. Donc à la place du bouclier, peut-être rajouter... Pourquoi j'attaque pas de l'intérieur moi comme un débile? Ah je suis débile. Et par contre à partir du moment où il est touché un petit peu, il fait vraiment plus rien. Alors que le sien était plutôt solide finalement. Ouais peut-être ça qu'il faudra que je fasse. Rajouter plus de dégâts. En termes de score on est quand même en dessous, on est vraiment une équipe qui est vraiment pas bonne non plus. Hein. Je pense à Thibaut qui est mort deux fois, qui a fait 347 points, c'est trop peu. Ok, on y va.
On capture. Wego 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 dance. Wego 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 dance. Bref. Ok. Wow. On a vraiment pas assez de tirs sur les méga plasmas. Hein. Oh. Ok. Pourquoi le eux ont le point et pas nous? Enfin, je veux dire c'est sur le principe de base. Hop. Ah il est pas très très stable. Il est pas très très stable. Ok. Tu verras en même temps avec les armes qui se tapent sur les côtés. Comment veux-tu qu'il soit stable? Mais non, y a pas besoin, y a pas besoin. Headshot. Ok. C'est vrai qu'il y a des noobs avec nous quand même, hein. Il a pas tort. 620 points. Oh, je peux pas croire que ce que je viens de voir. Quoi. Je comprends pas ce qu'il a dit. Si vous avez la traduction. Hop. Ah putain, il est pas dedans. Mouais. Bon, ça fait vraiment peu de dégâts hein, comparé au nombre de fois qu'elle tire. C'est pas grave. On va revoir ça. Bon, par contre, oui, clairement, on a perdu. Hein. Les gens qu'on a avec nous font pas du tout leur taf. C'est dommage. On peut pas avoir droit à quelqu'un qui fasse. Voilà, regardez ça. Voilà. Il essaye de lui monter dessus en fait, littéralement. Donc là. Si en plus ils jouent ensemble, effectivement, on est niqué. Hein. Oh! Belle défense! Belle défense de Marcus! Ok. J'attaque pas suffisamment. J'attaque pas suffisamment avec. Ah. Ils ont des morts donc ça sert à rien d'aller choper le leur. Puisqu'ils vont arriver en fait directement sur ma gueule tout simplement.
Wow. Ah. Hop. Ah. Ah. Non, non, regardez ça, regardez ça. Comment voulez-vous qu'on gagne avec des robots pareils? Ça marche pas. Ça marche forcément pas. Bon, c'est comme ça. Les problèmes, c'est voilà, c'est ça, c'est le boost. Ils ont un ennemi en moins. On m'a dit 10%. Est-ce que c'est vraiment 10%? Ah merde, il sort. Faut que je m'entraîne à ça aussi. Par contre, j'aimerais bien que mon pote lui tire dessus, mais apparemment pas du tout. Oh là 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 là. Je vais me faire rect. Allez, feu! Oh! Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Je sais pas ce qu'il dit, hein. Merde. Oh. Oh. Voilà, meurs. Oui, je veux bien. On a toujours deux abrutis qui veulent pas. Hein. L'amour de la loose. Allez. Allez. Allez, meurs. Voilà, que je puisse faire un dernier kill, s'il te plaît. Merci. Je vais mettre non. Hein. C'est le 99% de la fin. Bon, c'est pas grave. Ouais, j'ai fait mieux que le premier, qui se plaignait à mort. Du côté de je sais pas quelle langue. Bon. Bon, 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 bon. On va faire deux petites améliorations, enfin deux petites choses. Je pense. On va tenter quelque chose. Et on verra dans le prochain épisode si c'est mieux ou pas.
parti. Crac. Non, inventaire, je suis bête. Crac. On va mettre ça comme ça. C'est pas dans le bon sens, c'est ce que je cherchais. Voilà, et là c'est dans le bon sens. Normalement, là, ça touche. Parfait. Ok, bon, c'est juste que là j'ai perdu un point d'emport. Littéralement. Ok. Ok, ok. Ah oui, et en termes de manœuvrabilité, est-ce que rajouter plutôt que ça? Rajouter. Passe pas ici. Ouais, dommage. Dommage, dommage. Et ici, non plus, forcément. Y a aucun endroit où ceux-là passeront. Peut-être ici. Non. Non, non, non. Bon. Bah tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Bah les autres alors. On reprend les mêmes et on recommence comme on dit. Hein. Ah, j'en avais acheté que deux. Et cela passe ici. Bon bah écoutez, on va essayer de les passer alors. On va essayer de les passer. Pour ça, il faut que j'aille dans la forge. Dans la forge, dans les véhicules, ouais c'est ça. Et donc c'est cela. On va racheter 4, ça me coûte pratiquement rien maintenant. Hop. Ok. Et donc on est à 1682. Ce qui fait très très peu de tir hein, finalement. Finalement, finalement. Alors, énergie d'arme, 12 000 pratiquement. Et à chaque tir, on doit pouvoir voir. Hein. On doit pouvoir voir ici. C'est ceux-là ou c'est les autres? Attendez. On va prendre l'arme, comme ça je serai sûr. Voilà, c'est celle-ci. Celle-ci, énergie par tir, 3 000. Donc ouais, c'est à peu près ça. C'est 4 tirs. C'est approximativement 4 tirs. Question. Je prends celle-ci. 1500 par tir. Ah, attendez, on va faire le calcul rapidement. Là, ça me prend 1500 par tir. C'est-à-dire, ça me fera 8 tirs au total. 8 tirs et 4 tirs. Je mets 8. Hein. 8 tirs à 53 000. Et l'autre, ça me fait 4 tirs à 106 000. Encore faut-il que je place les 4. Voilà, c'est ça. C'est ça la différence, finalement. Et surtout, avec 4 tirs, si c'est bien protégé, j'ai plus de mal à faire encaisser les dégâts. Ça fait combien, ça? Ça fait que 2000. Ok, cool. Ok, ok. Bon, on verra bien la prochaine fois avec ce mode-là. Et on verra si c'est efficace ou pas. Ok, salut les gens!